Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Je vous partage la story de Diaz qui se justifie sur la vidéo où on la voit mettre un coup à Laurent. Cette vidéo a d'ailleurs choqué beaucoup de personnes et moi aussi. Regardez. Qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai rien fait moi, c'est pas mon café. Bref. Je voulais vous parler d'un truc. Comme je vous ai dit, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup moins à fond sur Insta maintenant. Même si, voilà, je pose des petites stories et tout pour vous, mais je regarde plus trop en vrai. Bon, d'accord, hors sujet. Non, mais quand même, je suis parvenue à voir quelques trucs. Jazz, frapper son mari. Jazz, tape Laurent. Qu'est-ce que vous racontez? Je lui ai mis un coup dans le bras. Parce que pourquoi? Du comment, du pourquoi, au moins on va plus vite. Laurent, il sait très très bien à quel point je suis. Bon, je voulais vous raconter, mais il parle. Point. Enfin, non, pas vous, mais mon mari sait à quel point je suis en psychose. Une porte qui claque, une fenêtre qui claque, des bruits dans la maison, un accident de voiture. Quand ils conduisent, je les engueule tous. Émile, qu'est-ce que je fais le plus souvent quand tu conduis en voiture? Quel intérêt? Donc, je fais quoi? C'est le genre de personne qui freine à votre place, qui. Attention, qui crie, qui insulte. Voilà. Donc, c'est tout à fait ça. Et donc, ce soir-là, j'étais complètement fatiguée, je m'endormais dans la voiture. Et Cécica m'a fait une blague nulle. Voilà, voilà le problème de mon. De, parce que tu es le problème de mes articles en ce moment, à cause de toi, je bats mon mari. Hein. Ah ouais? Oui. Attends, je me justifie là-dessus. Je me justifie pas, je raconte. Je me justifie pas, je raconte. Et donc, je veux mieux la raconter. Non, et donc, en fait, il dormait. Il dormait avec les filets de bave à côté du coin de la lèvre ici. Là. Elle bavait, elle dormait, elle tirait la langue. On s'est dit, on va lui faire une petite blague. Et elle a sursauté, elle a voulu taper tout le monde. Chose qui ne se voyait pas dans le snap, c'est que ce n'était pas que l'idée de Laurent. C'était l'idée de Cécica, pardon, c'était aussi l'idée de Laurent. Parce que quand j'ai eu peur, j'ai regardé Cécica et j'ai regardé Laurent qui allait éclater de rire, je savais qu'il. Donc je savais qu'il allait être complice, sachant que Laurent est le farceur de cette maison qui adore faire chier tout le monde. Sauf qu'il y a des terrains sur lesquels on ne peut pas jouer, notamment les phobies des gens, notamment les peurs des gens. Et donc j'ai pas trop. Justement, c'est comme ça qu'on affronte ces phobies. C'est faux, tu peux te la mettre en veilleuse, merci. Donc c'est normal qu'en tant que femme, je suis énervée que mon mari se serve des choses qui me font peur pour rigoler, ce n'est pas marrant. Donc je lui ai mis un coup dans le bras. Maintenant, toutes les petites pétasses qui racontent leur vie. Vous êtes fatigante, hein? Et, non, mais attends, il y en a, elle m'envoie des messages, elle me dit, oui, viens pas pleurer quand il va te quitter pour une meuf, en même temps, tu le maltraites. MDR, et ne vous inquiétez surtout pas pour mon mari, ce n'est pas du tout une victime, hein, il a pas. Oh, ouais. C'est le plus gros des comédiens, croyez-moi. Vous n'avez pas. J'ai niqué. Vous n'avez pas du tout à vous inquiéter pour lui, mais c'est très gentil. Et pour toutes celles qui ont un petit espoir que peut-être grâce à ça il va me quitter. Sachez que c'est Cécica qui va vous gérer du coup. Bien évidemment, nous sommes en train de rigoler, mais. Ouais, vous voyez, les préoccupations de mon mari, visiblement, c'est pas son petit coup dans le bras. Hein. Voilà. Et puis bon. Vous savez, vous voyez, elle est fort, on va pas se quitter pour que. Voilà, les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et puis à bientôt pour d'autres vidéos.